pour additionner des nombres en haut de 1000 avec les centaines, dizaines d'unités avec le regroupement, on va premièrement écrire 700 plus 800. Alors, j'ai 786 pour ce nombre et j'ai 846 pour l'autre nombre. Alors, 700 plus 800. Alors, je vais prendre mes 700 et le 800. Je regarde toujours le nombre qui est plus grand. Alors, le 800, là, je vais prendre 900, 1000. J'ai pris 200 ici. Alors, j'ai 1000 avec 500 qui restent. Alors, je vais écrire 1500. Là, j'écris les dizaines. 80 plus 40. Je prends le plus grand nombre qui est ici, 80. Je donne 20 pour faire 100 et j'ai 20 qui restent pour un total de 120. Maintenant, 6 plus 6. Alors, si je prends 6 et 6, je sais que c'est 10 au milieu avec un et un autre qui est sur le côté. Alors, 12. Je peux aligner ici, mais je veux vraiment qu'on regarde les nombres, les centaines et dizaines d'unités pour regrouper correctement, utiliser le bon sens du nombre. Alors, encore une fois, on peut écrire les nombres en bas. 1500 plus 120 plus 12. On peut écrire ces nombres ici en bas et on peut regrouper. J'ai 500 plus 100 ici. Ça, c'est égal à 600. Après, j'ai 20 et le 12 ici. Ça, c'est égal à 32. OK? Alors, j'ai fini avec ça. Et là, j'ai 1000 qui reste. Alors, 1000 plus 600 plus 32. Alors là, le 32 peut sauter sur les zéros. Le 632 peut sauter sur ces zéros pour avoir 1632. Et là, je peux écrire ma réponse finale ici. Je peux le réécrire en bas si je veux, ou je peux regrouper ici, comme 500 plus 100 égale 600, 20 plus 12 égale 32. Et là, si on peut le voir, on peut encore sauter les nombres là pour avoir 1632.